Oh, une légende, donc, comme promis, on va monter la branche japonaise de Wot. Donc, le dernier tank japonais est un char médium, donc en fait moyen. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre les tanks, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, les Français, il y a le char léger, par exemple, qui est un char AMX Leclerc. Donc voilà, il y a... Ensuite, un char chasseur de chars qui est représenté par un triangle vers le bas. Il y a les chars moyens qui sont représentés avec un losange avec une barre au milieu. Et les chars lourds, c'est comme ceci, c'est un losange coupé en trois, enfin coupé en deux, qui donne trois trucs égaux. Donc ça, c'est un char lourd. Et comme nous, on monte les chars japonais, on commence par un char léger, donc juste un losange. Puis après, on va passer au char moyen. Char léger, ouais, moyen, médium, quoi. Et à la fin, à partir... Bon, en fait, non, on va juste chercher, rester en char moyen. Donc, c'est parti, on va commencer à combattre. Donc... ouh, ça a été rapide, dis donc. Ah, on est deux tiers 1 et il n'y a que des tiers 2. Joie. Joie. Alors j'aime bien cette carte. Fort désespoir. La carte est plutôt cool. Donc vous avez le son. Moi j'entends pas des masses le son. Parce que sinon vous m'entendez pas parler. C'est ça qui est dommage. Faudrait que je trouve comment régler le son. Parce que si je veux faire des vidéos avec des personnes, c'est un peu compliqué. Donc je vais aller par là. Oh, bah dis donc, il y a de la mobilité ce char. 40 km/h. Oh, ça va, c'est rapide quand même pour un tank. Donc, on va aller jusqu'à la maison. Oula, il y a un char de repéré déjà. Tier 2. J'ai pas été spot moi, mais ça y est, je suis spot. Faut que je recule parce que il y a l'autre PT2 au fond là-bas, là. Quelque part par là, là. Tirer par-dessus, merde. Ça, par contre, c'est moins cool quand on tire à côté. Alors là, on le voit, hop. Bien sûr, comme c'est un tiers 2, j'ai des chances de pas pouvoir le percer. Là est le problème. On n'a pas pénétré le blindage. Il y a un char là-bas, je ne peux pas le voir. En fait, j'ai juste peur que le BT2 me fonce dessus. Merde, il m'a spot. En fait, le problème avec mon char, c'est que comme c'est un char léger et que c'est un petit char de tier 1 et que eux ils ont des tiers 2, ils ont plus de chances de me percer, enfin de me tuer. Moi, j'ai plus de mal à les tuer. Pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose. Je suis pas spécialiste, mais je pense que sur la chaîne secondaire, vous allez peut-être voir des vidéos Wot avec mon ami Geoffrey qui lui est plus spécialisé que moi dans le domaine. Parce que lui il joue plus que moi, il va pouvoir. On fera peut-être une vidéo un peu dans le genre leçon où il m'apprendra à jouer, les termes techniques, voilà les choses comme ça. J'espère que ça pourra vous plaire. Et en charge juste là. Là, on voit que je l'ai percé, mais c'est un tiers 2. Le problème, c'est que bah, si lui il me tire dessus, il va me faire plus de dégâts. 30. Donc, on m'a dit, de ce que je sais, pour être bon en dégâts, faut avoir à peu près fait l'équivalent de ses dégâts en points de vie. Donc pour l'instant j'en suis à la moitié de mes PV en dégâts. Hop. Un peu plus de la moitié. Je vais peut-être le détruire si l'autre arrive pas à tirer. C'est bon, il l'a détruit. Il reste 4 chars ennemis. Oh, il y a un char là-bas. Est-ce que je peux lui tirer dessus ou pas? Non. Il est où? Il est derrière un truc? Ah oui, il est derrière un mur. Compliqué de pouvoir tirer un char derrière un mur. Ah, il a détruit mon pote. Ah, il est détruit. Je peux pas lui tirer dessus. En Panzer 2, tiens, un char allemand. Bon, je connaissais un peu les chars un peu avant de jouer, mais pas non plus un grand spécialiste de chars. Je connaissais les chars Leclerc classiques parce que je suis français.
Je savais que Renault avait fait des chars aussi. Donc bon voilà, le Cruiser 3 il est pas AFK, ok. Alors ça par contre... Ah, j'ai réussi à le toucher. J'ai réussi à le percer son blindage, ben dis donc. Hop, du coup voilà, bon je connaissais les Panzer et les Jaguars. Puis après le reste, j'ai un peu... Ah, ça lui a rien fait. Après, bah, j'ai appris en jouant à WoT. À la différence de WoT PC, du coup, il n'y a pas de chars. Comment ça s'appelle? Il n'y a pas les chars suédois, il n'y a pas les chars tchèques non plus. Ouh, il m'a touché. Il manque. Je crois il manque d'autres chars. Mais après, les branches ne sont pas toutes les. C'est mal, hein. Les chars sont pas tous là. Après, dans les branches, par exemple, je sais que les Japonais ont plus de branches que ça, quoi. Les Chinois aussi. Il fait mal ce con. Ah, il a. Il fait quoi le M3 là? Ah, il essaie de le détruire. Ah, par contre, je vais me faire tuer par derrière. Ah, par contre, c'est pas cool. Recule! Putain, là, c'est salaud. Tire. Ah, il a bounce. Il a ricoché, il a pas pu percer mon blindage. Deuxième fois. Bon, moi en dégâts, je suis presque à 300, c'est pas trop mal. Trois fois, ça fait trois fois qu'il me pénètre pas mon blindage. Après, je sais pas si le blindage japonais est très très puissant, on va dire. Ah, il m'a détruit par derrière, du coup. Voilà, donc c'était une game de tier 1, donc c'est pas le truc le plus intéressant. Ça peut commencer à devenir intéressant à mon avis à partir des hauts tiers. Donc je ne sais pas. Retour à la base, oui. Quoique. Non, on va observer les. Mon allié, il est là. Le Panzer 35 tonnes. Je pense que le T veut dire 35 tonnes. Ils sont deux encore, il est où le deuxième? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que... Il est en train d'essayer de reculer. Ça marche pas. Mec, je sais pas ce que tu fais, mais... Tu... Non. Et comparé au jeu sur PC auquel j'ai joué aussi, à la différence, il n'y a pas de map où on peut noyer le tank, alors que dans le PC, il y a des maps où on peut noyer son tank, on peut... voilà, mais... Après voilà, il y a des choses que y a des choses qu'il n'y a pas. En même temps, c'est la version mobile, ils peuvent pas tout mettre, hein. Ça se comprend. Ah bah je sais pas ce que lui il fait, mais on va perdre en fait parce que ce mec, qu'est-ce qu'il branle? C'est un bot ou ça se passe comment? Attends, il en marche avant là ou on marche? Il est en marche avant. Donc ça c'est un char anglais, le Cruiser. Et en face, je sais pas, il reste quoi en face? Il reste un M2 qui est un char. Oh, il reste que des tirs 1 en face. Mais on va perdre parce qu'ils vont prendre le camp. Je sais pas ce que le mec fait, c'est un bot à mon avis. Qu'est-ce qu'il branle? Qu'est-ce qu'il fout? Cet homme est fou. Ce mec essaie de monter un mur. Un mur avec un tank. Mon dieu, en plus, ça c'est un char moyen, je crois. Ah, c'est fini. On a perdu, voilà, hein, parce que le mec était AFK. Ah, égalité. What the fuck? Bon, eh ben, écoutez, les gens, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, waka waka.